Bonjour et bienvenue, c'est Arcadien. On se retrouve aujourd'hui, c'est Teseus pour une petite solution de trois trophées. Donc le premier trophée, Nécrophobie, où il faudra trouver tous les cadavres. Donc c'est parti. Donc le premier cadavre est sur votre chemin. En découvrant tous les cadavres, ça va vous permettre de débloquer un autre trophée, découvrir la vérité, qui débloquera en fait une seconde fin. Et pendant cette vidéo, on pourra débloquer aussi un trophée où il faut désobéir à Ariane. Donc je vous indiquerai où c'est. Donc le premier cadavre, vous avez pu le voir, c'est sur votre chemin. Donc le deuxième, on va pouvoir le trouver à l'endroit où on va chercher la torche. Donc je vous laisse regarder. Donc normalement vous devez tomber dessus automatiquement. Pour le troisième corps, eh bien, il suffit de vous allez vous retourner là où vous avez rencontré la première fois le Minotaure et vous allez pouvoir trouver votre corps. Pour le quatrième cadavre, il est dans cette pièce. Une fois que vous avez discuté avec Ariane, qui va vous demander de la suivre, donc vous n'allez pas l'écouter. Vous allez trouver le score qui est juste à côté de la porte. La porte va s'ouvrir et vous allez passer après à travers cette porte. Donc ça vous débloquera déjà le trophée qui s'appelle donc Armatophobie, désobéir à Ariane. Voilà. Donc là, on va franchir cette porte pour pouvoir découvrir un autre cadavre. Donc là, vous suivez bien le chemin. Et en fait, vous allez reprendre le chemin du début. Alors, vous ferez attention, vous allez tomber sur des araignées, hein, c'est pas trop dur. J'ai zappé les scènes pour que ça soit, que la vidéo soit un peu plus rapide. Et donc là, il suffira d'ouvrir la porte avec votre épée pour découvrir le cadavre. Et là, vous allez revenir dans la pièce principale du début. Donc là, vous voilà dans la pièce principale. Donc vous allez prendre la torche avec vous.
primordial pour pouvoir découvrir le cadavre suivant. Et ben, il suffit juste de suivre le cheminement à travers cette vidéo. Pour le prochain cadavre, toujours pareil. Donc vous allez voir, j'ai fait demi-tour pour allumer une torche. Donc j'ai pas trouvé toutes les torches encore. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon petit demi-tour pour allumer la torche. Mais bon, ça ne m'a pas débloqué le trophée. Donc vous suivez le cheminement pour avoir l'avant-dernier cadavre.
Donc pour le dernier cadavre, c'est juste après avoir affronté, on va dire ça comme ça, le Minotaure. Donc vous descendez tranquillement, vous prenez le tunnel, vous suivez le cheminement indiqué par la vidéo. Vous n'oubliez pas la lampe, la torche, pardon, c'est pas une lampe torche, la torche, et ça vous débloquera donc le trophée Nécrophobie. Donc une fois arrivé à la fin, vous débloquerez une fin supplémentaire que je vous laisse regarder ou pas. Donc c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez. Voilà pour cette petite vidéo. Bon jeu à tous et à toutes, à bientôt. Yes. Yes, sir. He woke up.